Europe 1, 7h32. La France, on le sait, est championne du monde en matière de consommation de somnifères. 7 millions de personnes n'arrivent plus à s'en passer. Voilà donc une étude fort intéressante qui paraît aujourd'hui. Une cure thermale, ça marche pour arrêter. Près d'un patient sur deux parvient à décrocher durablement. 80% réduisent leur consommation de moitié. Anne Le Gall, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. On parle bien des personnes qui prennent des somnifères alors qu'elles n'en ont plus besoin. Oui, la consommation de somnifères et anxiolytiques ne doit pas normalement dépasser 3 mois, mais 10% des Français deviennent des consommateurs réguliers, comme Odile, 55 ans, grande angoissée, accro aux tranquillisants pendant des années, avec tout ce qui va avec, un trou de mémoire, vertige, problème de tension. C'est grâce à une cure thermale qu'elle a pu décrocher, même si, elle me l'a confié au téléphone, le sevrage en 3 semaines, ça n'est quand même pas simple. On a des remontées d'angoisse, on transpire beaucoup, on refait des cauchemars la nuit, enfin, on revient dans un état dépressif, quoi, quand on enlève tous ces médicaments. Mais on est tellement bien accompagné par une psychologue, on a aussi de la relaxation aussi, des bains bouillonnants, des douches, massages sous l'eau et des groupes de parole. Je suis rentrée chez moi et les somnifères, c'était terminé. Et je n'y ai pas retouché depuis, ça fait 3 ans. Fini les somnifères, mais Odile m'assure qu'elle dort bien, car elle a appris à se détendre. En France, 5 centres thermaux proposent déjà ces cures, avec d'ailleurs la bénédiction de la Sécurité sociale qui les rembourse en partie. Merci Anne Le Gall. Et puis le rapport annuel.